Richard, c'est vous? Je déverrouille la porte de la soute à marchandises. Je vous entends mal. La salle de communication Bracan, trouvez le central. Keitner, j'ai découvert ce que Burke essayait de cacher. Le quartier des interrogatoires est une sorte de laboratoire médical. Il se sert des prisonniers comme de cobayes. Mais pourquoi? Pas sûr. J'ai besoin des données du scan rétinien de Burke pour le savoir. Si je les télécharge, je vais me faire... repérer tout de suite. Néanmoins... les yeux de Burke sont améliorés, Jensen. Il porte des prothèses oculaires fabriquées spécialement pour lui par Tai Yong Medical. Vous voulez que je lui arrache les yeux? Pas ceux qu'il utilise en ce moment. Il vient d'en recevoir une... père, livré par le dernier bateau. Avec un peu de chance, vous les trouverez dans son bureau. Keitner, terminé. Keitner, contactez Interpol. On a besoin de coordonnées de contact pour un sous-marin. Un quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé, Jensen? Un laboratoire de recherche caché sous la base. Une scientifique a accepté de tout révéler si on la conduit jusqu'à Interpol avec l'un des sous-marins du laboratoire. D'où ce besoin soudain de coordonnées. Je vais voir ce que je peux faire. Keitner, terminé. La
l'ascenseur s'est bloqué. Burke a dû intercepter nos communications. Filez vite de là, Jensen. Je vous retrouve. C'est Burke qui l'a tué. Je l'ai juste empêché de faire un massacre en plus. Et qu'est-ce qui va l'empêcher de recommencer, Breedwalk? Vous devez l'éliminer. Désactiver le réglage avec l'écran tactile dans la salle au-dessus. Et retourner à la base. Ce Coven Joop vous y attendra, c'est certain. Je sais que c'était pas facile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Allez à mon magasin. Je vous ai laissé quelques trucs pour vous aider. J'aimerais bien vous dire qu'on trinquera ensemble. Vous avez réussi! J'hésite entre vous admirer et vous prendre en pitié. Vous m'avez reproché mes actes, Jensen, mais regardez tout ce que vous avez fait pour trouver une femme! Quel incroyable gâchis! Quoique, j'ai l'impression que votre cadavre me serait tout aussi utile. Est-ce que Burke est mort? Je tiens debout, pas lui. J'ai pas envie d'en parler. Vous n'aimez pas
la facilité, pas vrai? Mais bon, Burke est hors d'état de nuire, au moins pour l'instant. Je vais pouvoir m'engouffrer dans la brèche. Retournez au quai de chargement 2. Toutes les portes entre ici et la plateforme d'amarrage seront ouvertes. La dernière fois que je suis passé par là, les hommes de Burke m'attendaient. Et maintenant, Burke leur a donné l'ordre de se replier. Super. Sauf que je suis venu ici pour Megan Reed, Bratan. Et je partirai pas sans savoir. Un bateau ne va pas tarder à partir pour l'endroit où elle se trouve. En vous dépêchant, vous pourrez l'attraper. Bratan. Quinn ? J'ai bien peur que notre cher ami Quinn ait été victime d'un malheureux accident au cours de la bataille, et il n'est plus des nôtres. Malheureusement,